Et on avait dit, la carte elle est là. Il faut que je marque ça. Merde, c'est E pour marquer. Alors il faut que j'aille là. Ça c'est blindé de Mobius. Donc on va déjà aller là. On va aller chercher des armes. Déjà. Je suis de Stras quand une rencontre abonnée à la maison. Très bientôt, après la PJW, on se fera un truc ensemble. Et je pense même que j'irai manger avec certains abonnés. Je pense que ça peut largement se faire. Ah, par contre, ils ont des trucs dans la main, gros. Je sais pas ce que c'est. La YM légendaire est bien présent, putain, elle lui tire du feu carrément. Toi, tu lances des bouteilles, ça je sais. L'autre il lance rien du tout. Et là il y a un truc de Mobius. T'as quoi sur toi, frérot? Fais voir. Des balles de pistolet, bien. J'ai une hache. J'ai ça. Normalement il y a une deuxième hache par terre, je crois. Peut-être que je pourrais la récupérer. Comment ça? Oh! Ah bah voilà, c'est bon. Là on est bon, là on est d'accord. Ah ouais, c'est bizarre ça. Putain. Pardon les gars, hein, j'ai pas trop compris pourquoi ça avait fait ça. Voilà. Du coup, normalement je peux passer là en sneaky. Est-ce que je sais pas s'ils vont me voir ou pas. Peut-être que je peux lancer une bouteille là-bas. Ok, normalement je peux passer là tranquille, récupérer une bouteille. Je pourrais peut-être les éloigner encore un peu plus. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un de ces trucs. Et là j'ai une arbalète. Hell yeah baby. Ça c'est frais. Hop là. Je ferai du PUBG, promis. Souris 1, relâcher, tirer. Souris 1, maintenir, armé. Ok. Ok, d'accord. Carreau électrique. Ce carreau délivre une décharge électrique passant d'ennemi en ennemi afin de les étourdir et parfois de les faire tomber. Vous pouvez aussi leur tirer des boîtes à fusibles leur service et des flaques d'eau pour déclencher des effets en ruine. Ouah, je peux rentrer dans le truc de Mobius avec ça. D'accord. Pourquoi le troisième il vient pas là? Putain, j'ai pas de bouteille. Je vais pas aller les jouer, ça sert à rien de cramer des cartouches pour rien là. Je vais plutôt essayer de me barrer et d'aller vers le deuxième signal avant d'aller vers le truc principal. Salut Steph! Et là, signal rebelle, je vais le marquer. Et c'est juste là-bas à 47 mètres. Faudrait que j'arrive à passer là sans que l'autre il me voie. Putain, lui, il y en a un sur le toit, il y en a partout, ça me gave. L'autre, il a des moignons là-haut, il lui tape dessus. Oh, le bug. J'ai envie de l'éliminer dans le dos. Je sais pas si je vais pouvoir.
Ça c'est fait. Allez, soft speed pour les 10€, merci énormément mec. Merci beaucoup. Beaucoup beaucoup. J'ai plus de balles. Une seule. J'ai pas intérêt à le rater. Oh ça c'est cool. Voilà. Nickel. Merci pour tes 10€ mec. Viens sale pute. Pour les 10€ de Ace of Speed. Ouf. Mamma mia. Et j'ai nouveau plus de cartouches. Je suis un putain de pauvre en cartouches. C'est un truc de ouf. Là-bas il y a encore du gel. J'ai jamais de balles. Franchement c'est incroyable. Je suis venu pour du R6, je suis choqué et déçu. Ah bah malheureusement mon pote, pas tout de suite, d'ici une petite heure promis. Là on est en train de faire la suite de The Evil Within. Et j'ai l'impression que du coup il y a des trucs à ramasser là-dessus pour avoir vu l'autre le taper, peut-être pas en fait. D'accord. Oh, c'est le signal rebelle. Ouais mais j'ai pas de balles, j'ai rien là, ça me saoule. Et il y a peut-être un moyen de récupérer des trucs là. Allez, il me faut des balles absolument. Sinon j'ai encore les trucs d'arbalète, mais ça me saoule. Franchement ça me saoule. Faudrait que j'arrive à me mettre bien avec avec certaines choses, parce que au couteau, franchement au couteau je vais pas aller loin. Là j'ai de la poudre à canon. J'ai encore de la poudre à canon. J'ai de la poudre à fumer, je sais pas ce que c'est. Là on a des boîtes. Alors on va aller là-dedans. C'est où que tu trouves les rediffs de tes matchs? Vous allez voir sur la chaîne Twitch de Suprême. La chaîne Twitch de Suprême, vous pouvez aller voir, je l'ai RT à un moment donné sur Twitter. Vous le retrouverez dans ces vidéos, c'était assez solide effectivement. Alors peut-être que je peux rentrer là-dedans. Non. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. Peut-être qu'à un moment donné je serai téléporté, que je pourrais y aller. Hein. En tout cas, je me doute qu'à un moment donné on va se retrouver là-bas là en haut. Hein. Ça me fait bizarre. Ça me fait plaisir de vous compter aussi nombreux ce soir sur le live, les gars. Très très plaisir. Merci beaucoup. Là on peut l'ouvrir, obligé. Non. Donc là j'ai des clous. Et si là je peux l'ouvrir. What the heck? Allez, il faut que j'appuie sur Q et D, je crois. Allez, bats-toi. Allez, gros. Allez, putain. Voilà, enfin. Ah, j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fasse? Alors, je crois que j'ai encore des seringues. Hop, ça remonte. Je m'en remets une. Impec, ça devrait suffire. Du moins pour le moment. Je vais continuer à avancer. Hop. Il y a un appareil photo et là il y a un truc. Alors, il y a peut-être des cartouches ou des trucs. Je sais pas. Ça c'est bon ça. Je peux passer à 32 munitions de pistolet. Sauf que eh ben, j'ai pas grand chose en fait. J'ai pas de balles. Ah, ça c'est vraiment pas cool. Alors comment je fais pour passer? Comment je peux faire pour passer? Sachant que je peux pas tirer dessus, j'ai pas de balles, j'ai pas de munitions, j'ai rien. Est-ce que je peux désarmer ça? Est-ce que je peux désarmer ça? Merci beaucoup Fantasio, vraiment impressionnant ton skill sur R6. Ou alors je passe à travers et j'explose comme une merde. Hein. Je peux pas défaire le mécanisme. Je peux pas sauter non plus. Je peux pas me coucher. Comment je peux sortir? Putain, fais chier.
Ouais, ça fait plaisir, autre chose que R6 de temps en temps. Mais bizarrement, tu vois, quand c'est pas R6, quand c'est pas R6, il y a beaucoup moins de personnes qui suivent. Vas-y, je passe à travers. Voilà. Oh, j'étais obligé. Voilà. Ah ouais, c'est la pute qui fait trop mal. Oh. Ouais, mais j'ai pas de truc. Oh là, il va me défoncer. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Je n'ai pas de cartouche. Je peux pas lui tirer dessus. Nique ta mère, White. Bah, va te faire enculer, vas-y. Tu peux le ban, s'il te plaît, Steph? Putain, mais franchement, ça me gave que j'ai pas de munitions, là. Alors, yo, salut à ceux qui viennent d'arriver, ça fait très plaisir de vous compter aussi nombreux ce soir. Pour cette suite, tout simplement, de The Evil Within. Alors... Est-ce qu'il y aurait pas des trucs quand même à récupérer? Donc j'irai chercher ça là-bas tout à l'heure, sachant que j'ai pas de balles. J'aimerais bien retourner au truc Mobius fermé. Attends, faut que j'aille dans l'inventaire. Il faut que je me crafte des trucs depuis l'inventaire. Alors, carreau d'arbalète, j'en ai deux. Composants. Est-ce que je peux... comment on fait pour... comment je fais pour construire des trucs? Ça, je peux le mettre sur... Je vais le mettre sur 3. Ça 4, ça 5 et ça 6. Ok. Donc 3 c'est mon arbalète. Mon arboulette. Et il faut que j'aille au truc Mobius fermé et que je tire dans le fusible. Ouais, je sais qu'il faut interagir, mais je veux pas le faire tout de suite. J'ai pas assez de cartouches. Oh putain, une hache. Ça c'est déjà bien. Comme ça je peux aller rechercher le truc des munitions après. Oui, vous pouvez regarder la rediff du match. De toute façon, il y aura des trucs présents sur ma chaîne YouTube. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais je vous promets, je vais en faire. Bon, là je peux rentrer dans le train. Est-ce que c'est à nouveau un guet-apens ou un truc? Il y a peut-être des choses à looter là-dedans. Ah, il y a la salope là-bas. Elle, je peux la one-shot avec une hache là. Bien. Tu veux pardon, tu disais, je t'ai pas entendu. Bonne nuit. Merde. Ça c'est moins cool. Sors. On a perdu 2-1 contre Supremacy, je suis désolé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. 2-1 contre Supremacy. Alors j'avais vu l'ancienne maison. Je crois que c'est là-haut. Il y a des bouteilles et des trucs. Là-dedans il doit y avoir des trucs de ouf, il faut que j'y aille aussi. Mais faut que j'arrive à récupérer des munitions d'abord. Donc là c'est pareil, il y a trop de cadavres par terre. On va pas s'y attarder directement. Mon objectif pour l'instant, c'est de me faire des balles. Sans quoi, j'arriverai pas à survivre. C'est certain. Là, il y a des cartouches aussi. Et là, si je remonte... Normalement, je me souviens, le truc, il est pas loin, là. Où exactement, je sais plus. Peut-être là, quelque part sur la gauche. Non, l'armurerie, elle est là. Donc, il faut que j'arrive à tirer là-dedans. Alors, normalement, si je tire là-dedans...
Maintenir, ajuste la portée, vous tirez vos carreaux plus loin si vous changez l'arbalète sans... Et relâchez ce... Comment je fais pour tirer là-dedans? Et ça c'est ouvert. Donc là j'ai un truc à faire. Il faut que j'arrive à ramasser ça. Peut-être j'ai... Voilà. Il me reste plus que les carreaux d'arbalète. J'interagis après avec le truc. Oh, là il devrait y avoir du stuff. Là j'ai un carreau explosif, carreau fumigène. Il y a un miroir. Donc j'ai accès à une planque. Yes. Ace of Speed 20€, merci mec, t'abuses vraiment. Ça fait très très plaisir, je suis très content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Obligé de faire un autre don de 20€ pour pouvoir afficher mon message. Kappa, je disais je serais B. IEN venir à la PGW, mais j'habite à Bordeaux, c'est loin, le trajet tout ça, l'hôtel, flemme de PA. Ouais, bah oui, bah hier ça. X, mais j'aurais tellement kiffé venir. Bonsoir mon petit pote. Ça détend. Ouais, ça détend. J'aurais bien voulu te voir à la PGW, effectivement. Pièce détachée. Est-ce que je peux me piquer? 5. Non, je peux pas me heal. Donc en tout cas, c'est une base de sauvegarde, ça fait plaisir. Du coup, je vais pouvoir faire les trucs. Attends, il y a un événement là, je crois. On dirait qu'il est verrouillé par un mot de passe. Ah non, c'est un truc de sauvegarde. Merde, j'ai pas envie de sauvegarder tout de suite. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Donc là, ça c'est bon. Et du coup... Donc c'est là. Pas toi, Ace. Prouve-toi une autre planque. Cet endroit est scellé. T'as compris? Ok. Porte verrouillée. Fenêtre sécurisée. Courant coupé. Rien ni personne pour rentrer. Même pas toi, Ace. Prouve-toi une autre planque. Cet endroit est scellé. T'as compris? Merde. J'hallucine. J'ai pas signé pour ça. C'est bon. D'accord. Et du coup, là, je peux pas entrer du tout là-dedans, en fait. C'est ça? Mais en fait, il y a quoi à faire là-dedans? Il y a quoi à faire là-dedans? Putain, j'ai raté un truc, c'est pas possible. Il y a une porte, il y a des trucs à fouiller. Non? Il peut pas y avoir que ça. Je vais aller dans le miroir. Bon, salut à ceux qui s'en vont et bienvenue à ceux qui arrivent, tout simplement. On se retrouve sur cette troisième partie de The Evil Within. Et je suis d'accord, je suis dans la salle de Sébastien. Très bien. T'as un dossier pour moi? C'est quoi ça? Non, c'est bon. Merci. Ok. Pas de soucis. Des balles. Des balles, si c'est possible. Je vais voir ça. Fabrication... Combien j'ai de... Putain, j'ai que 7 poudres. Non, j'en ai 37. 10. Je peux me faire 10 balles. Et là, j'en ai 15. 3 balles de shotgun. On va se rajouter une 11e cartouche. Ok. Carreau harponneur. Ok. Carreau explosif. Ah ouais, mais il me faut pour les carreaux électriques, il me faut de la poudre et tout, ça pue. Merde. Au moins j'ai des cartouches.
J'ai 11 balles. Et j'en ai 3 de shotgun. Donc on va pouvoir repartir. Sans vouloir le dénigrer, j'étais déçu de la perte de Momo. Mais crois-moi, lui aussi. Hein. Lui aussi, de ouf. Il a complètement choqué ses matchs. Il était pas dedans. Il a pris un peu le feu. Et là, il est encore dans un état pas possible. On a eu du mal à le calmer. Hein. Allez, on va suivre la nouvelle résonance de Lily. À moins qu'on fasse des quêtes secondaires pour avoir quelques balles et tout. Ouais, on fera du R6 d'ici une heure, y a pas de problème. Par contre, je suis curieux de savoir comment est-ce que je rentre là-dedans, quoi. J'aimerais bien rentrer là-dedans. Non, ça, je peux pas l'ouvrir, je présume. Là, j'aimerais franchement vraiment beaucoup rentrer là-dedans. Ça me saoule un peu qu'on puisse pas. Il faudrait vraiment que je me fasse une quantité de balles et tout assez astronomique. Donc je crois que là-dedans il y en avait d'ailleurs la dernière fois. Et je suis pas allé les chercher. Là j'aurais des cartouches là-dedans. Peut-être. Putain, y a rien. Que dalle. Je vais monter. Je suis devenu sponsor, ça apparaît pas dans l'écran. What the heck? Si t'es devenu sponsor, normalement ça apparaît. Hein. Alors, il y a quoi là-dedans? Juste des clous. Rien d'autre. De la poudre. J'en ai plus besoin que toi. Ouais, lui il a un pistolet. Ça c'est bien. Vas-y, donne. Pistolet à viseur laser, ce pistolet semi-automatique est équipé d'une visée laser pour améliorer la précision à plus grande distance. Ouh, mama. Ouais, je pense, mais on a tous eu quelques difficultés à gérer le stress, et comme dit, ça s'est terminé sur du 5-3, donc franchement ça va. Ça va, à nous de faire la diff la prochaine fois. Toujours 10 cartouches. Ça serait bien que je me fasse quelques balles supplémentaires. Par contre, les casques qui volent. Ah! La poudre. Ça, c'est bon, ça. 3 de poudre. Et 1 de poudre. Elle, il y a des fleurs à côté. Elle va me sous-sous. On va prendre le shotgun. Putain, c'est chaud quand même. Il y a des fleurs qui l'ont poussé sur la chatte. Faudrait peut-être qu'elle pense à se raser tout doucement, effectivement. Donc là, c'est bien, on est en train de se faire des cartouches petit à petit. On va peut-être pouvoir enchaîner sur la quête principale. Non, Momo était juste pas dedans aujourd'hui. D'habitude, c'est un joueur très solide, hein, vraiment. Alors, merde, putain. Je fais le con, comme à chaque fois. Ça me saoule. 4, 5, j'avais dit 3. Il me faut le carreau électrique et après je prendrai le carreau explosif. Merde! Mais lâche! Ah, mais elle m'a pas lâché, vous avez entendu comment j'ai cliqué, elle m'a pas lâché. Mais je vais quand même réussir à les sortir, ces zombies, non? Comment ça se passe là? Tu étais comment dans ta tête quand on a pris le 5-0? Bah, pfff. Là, quand... première map, 5-2. On a fait le 5-2. Deuxième map, 5-0. Là, ça a commencé à tilt. Là, ça a commencé à choke. Là, on s'est dit... Enfin, moi, je me suis mis direct en position de faiblesse. Mentalement, j'étais pas bien et j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour me remettre dedans. Vraiment, hein. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour me remettre dedans et me dire, putain, mais en fait, les gars, tranquille, c'est possible. J'ai utilisé mon kit de soin, je suis une merde.
J'avais un gros kit de soins, j'en ai plus parce que je suis un idiot. Voilà. Donc je vais aller, je vais ouvrir ça, je vais juste ouvrir ça. Et je vais pouvoir les électrocuter. Faut que j'arrive à le faire correctement. Oh, je t'ai tiré une flèche. Merde. Putain, foutez-moi la paix. Allez. Je l'ai enfin eu ce camion. Mais ça m'a coûté cher en balles, hein. Vous jouez de mieux en mieux, match après match. Bah, c'est l'objectif, mon pote. Hein. C'est l'objectif. On se donne vraiment du mal ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ouf dans ce camion? 4 et un kit de soins. J'ai eu 4 cartouches de fusil à pompe. C'était beaucoup plus que rentable. J'ai récupéré le kit de soins que j'avais. Donc, j'ai mes seringues, elles sont en 5. Et je peux m'en mettre une. Voilà. Ok. Du coup, on va se diriger vers la résonance qui est juste là, à 60 mètres. On y va. Il faut charger les flèches. D'accord, ok. Ouf. Courage aux amis modos de YouTube de notre côté. On gère 60 personnes sur Twitch. Oh, ça va. Là, il doit y avoir des trucs là-dedans. Je vais récupérer ça. Hop. Et puis... C'est parti. Allez, viens mon bébé. On y va. Juste là. Oh, Dieu merci. Hop, et des traces de pas qui vont là-bas. Ikuzo ! Ikuzo ! Alors... On dirait qu'elle s'est cachée ici. Tu vois où ? Elle est sûrement dans cet entrepôt. Ouais. Petite maligne. Je parie que cet endroit déborde de cachettes. Ouais, de ouf. Mais je parie que ça déborde de mobs aussi. Alors, il y a quoi dans le bus ? Là, il y a un signal... Ah oui, c'est le signal rebelle de tout à l'heure. On va peut-être faire le signal rebelle d'abord. Hello, salut à ceux qui viennent d'arriver. Ça va ou quoi, les gars? Tranquille. Alors, on va aller se faire le signal rebelle. Là, il y a encore des trucs. Normalement, j'ai assez de cartouches. Alors. On va se faire ça. Parti. C'est par là. Va savoir où ils sont allés. Explorer la résonance. D'accord. What? Encore des signaux. Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, ouais. J'ai besoin d'armes. Il faut qu'on le fasse parce que j'ai vraiment besoin d'armes, je pense. Il y a eu combien contre les six? 2-1. 2-1 pour les suprématies. Allez, go, signal rebelle, 127 mètres, c'est parti, Ikuzo.
Nandate Kolewa. Peut-être que je tomberai sur des agents rebelles, hein. Qui sait? Peut-être que je trouverai des humains, hein. Qui sait? On sait pas. Voilà. On va bouger. Attends, il y avait un truc là-dedans, hein. Une bouteille. Là-dedans, il y a un mob, mais j'en ai rien à foutre, c'est un rampant. Salut ceux qui viennent d'arriver! Salut tout le monde! Là, il y a une clé pour les casiers, je l'avais même pas vue celle-là. Bim! Ça me fera des balles et tout. Si jamais j'arrive à trouver des munitions. Alors. 52 mètres. Ah, mais la cage d'armes, je l'ai déjà fouillée ça. Je suis tombé dessus parfaitement au hasard. Celle-là, je suis tombé dessus au hasard. Il y a un mob. Pardon, tu voulais? Non, mais j'ai déjà fait cette quête, ça m'a saoulé. Ah, bah non. Pas comme ça. Ah ouais, ok. Et là, je devrais trouver des trucs, non? Ouais, mais enfin, c'est la cage d'armes que j'avais déjà fouillée, ça. Tout ça, comme dit, j'avais déjà fouillé ça. Allez à la moelle, armerie. Ça, j'ai déjà fait. J'y suis déjà allé. Que je réfléchisse. Donc j'ai le deuxième signal qui est là-bas et ça j'ai pas fait. Donc là j'ai ici j'ai gâché des munitions pour rien. Et ça me casse les burnes. Encore des munitions en moins. Il est pas mort. Ah, de la poudre. Ok. Et du coup, ça, je vais peut-être fouiller quand même. On sait jamais, une armoire à pharmacie. Là, le kit de soins, je le prends. Ça me remet masse vie. Je garde mes 3 seringues. Et là, du coup, j'ai que dalle. Alors, on va se diriger vers le deuxième signal. Salut à ceux qui viennent d'arriver. On termine un petit peu. On avance un petit peu là sur The Evil Within. Et ensuite, on passe sur R6. No problem. No fear, no weakness. Donc l'autre c'est 172 mètres là-bas, mais ce serait pas au camion là où j'ai déjà été. Arrête de courir, tu te fatigues pour rien là, poteau. Je pensais que j'aurais une mitraillette ou un truc là. Charles, pour les 5 euros, merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. 5 euros, poteau. Merci, merci, merci. Très plaisir, vraiment très plaisir. Hein. Sympathiquement, ça fait plaisir. Ouais, j'ai définitivement été là-bas. Je crois que c'est là où il y a l'arbalète. Peut-être, je ne sais pas. Ou pas d'ailleurs. Ah, là-dedans. Je l'ai déjà fait, ça aussi. En fait, j'ai tout fait sans savoir que c'était des quêtes.
Mais à chaque fois, j'ai des signaux rouges là. Tout ça, j'avais déjà fait, putain. Pas moyen de récupérer du matériel. Merde. Pas moyen de récupérer du matériel si toutes les caches sont envahies par ces choses. Oh, ça devrait suffire. Vous sortirez pas d'ici, mes salauds. Jess, ici Ryan, réponds. J'ai enfermé un tas de ces trucs dans la salle qui s'ouvre sur le garage. Je suis en route pour le centre d'information. Jess, tu me reçois? Il y a du matériel là-dessous. Il va falloir que j'aille voir ça. Un nouveau signal. James, putain, t'es où? Ramène ton cul au centre d'information. Ça, j'ai pas fait, je crois. Direction le centre d'information. Ouais, ça, faut que je fasse. Allez, vas-y. Hop. Et ça, j'ai pas fait. Je crois pas. Donc, on y va. Il faut repartir dans l'autre sens. The Evil Within, ouais, effectivement, c'est le feu. Hein. Moi, je m'éclate. J'ai 140 mètres à taper. Mon personnage, il fait... Quand il court, il fait du 1 mètre à la seconde. Il est tellement lent. Là, j'ai 0 balle de shotgun. T'as pu la merde. On est bon. Et j'ai vu un truc là, c'est quoi? Résonance, fouiller l'intérieur de... Ah oui, fouiller l'intérieur de l'entrepôt. Donc je vais d'abord aller là-bas. Hein. Ah, par contre, mon perso, il a que une endurance, ça me saoule. Mon gros sac. Ouais, bah, fous-moi la paix. Mais ce serait pas l'église à tout hasard là-bas? Bon, récupère ton endurance, merci. Voilà. On va lâcher un marathon de nouveau. Et voilà. Bug barre de don. Non. Ah oh ouais si. Oh putain. Eh franchement ça me saoule. Alors je mets en pause. Je vais régler le problème. Je sais pas ce qui se passe là. Toujours à l'heure pour la transaction. Merci Goliath pour les 1€, ça fait très plaisir. Tipeee stream. Merci beaucoup pour vos donations les gars, ça fait très très plaisir. Alors je vais juste régler le problème parce que c'est pas cool pour les gens qui s'abonnent et tout, qui ne peuvent tout simplement pas se voir dans la barre de feed. Donc je vais régler ça directement et instantanément de suite. Donc on va aller là-dedans. Dans Live Event. Et je ne sais plus lequel c'était. Propriété. Voilà. Ouh, on a la barre de don qui est de retour. Voici. En tout cas, merci de m'avoir prévenu. Et je crois que... Non, c'est pas dans l'église, c'est là-dedans. Et là-dedans, je n'y étais pas. C'est parti. Là, il y a une bouteille. C'est de la poudre. C'est cool, je pourrais me faire des balles. Il me faut absolument des balles. Là, il y a de quoi me soigner. Et je pense que là, derrière, je trouverai... Et la porte qui s'est ouverte, effectivement. Un papier. Encore un dossier. Il va se passer des trucs chelous. Mignon mélange idéalement le charme d'une petite... Ouais, me sens pas les couilles, ça. Alors, il faut que j'arrive à trouver. S'il y a des petits trucs, ce serait vraiment intéressant que j'arrive à les localiser. Est-ce qu'il y a quelque chose à ramasser? Non, je ne crois pas. Un casier à fouiller, très important. Il n'y a rien dedans. Et c'est parti. Don't go. Est-ce que c'est pour moi? Bien l'impression que c'est pour toi, mon pote. Hein. Il y a du monde, hein. J'ai pas de hache, j'ai juste un pistolet. Je reconnais ce style. Encore lui.
Ah bah ça. Il y a un commutateur. Allez, c'est parti. Fuck. Maintenant, place à la... Wow. Chance, Ryan. C'est censé être de l'art. Ça ressemble plus à une exécution. Putain, on voit les ondes du truc, du pistolet, là. Un appareil réglé pour prendre une photo de la victime. Ouais, du coup, j'étais censé trouver des balles et tout, et il se passe quoi? Un autre communicateur. Sûrement celui de Ryan. Les agents de Mobius. Ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux. Balles de pistolet. Pièce de rechange. Mais il faut que j'aille sur lui pour me faire des balles. Il est à 70 mètres. Oh non. Où il est passé? Oh putain, je me suis fait niquer. Qu'est-ce qui se passe? What? Ok, bah bon, si on me donne de la poudre. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Putain, c'est horrible. Non! Oh, j'ai cramé toutes mes balles. Oh. Fais chier. J'ai plus de balles. J'ai de nouveau plus de balles. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. J'ai juste un couteau. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, j'ai plus rien faire, j'ai plus de cartouches. Fais chier de merde, fais chier. C'était bizarre. What the heck is going on? La planque de Neil est juste là. Autant lui annoncer la mauvaise nouvelle de vive voix. On va retourner voir O'Neill. Ah oh, bah déjà j'étais pas serein du tout. Salut O'Neill. Vous les avez trouvés? Ils sont morts. Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaut mieux pour vous. Ils avaient prévu de tuer tous les survivants. Un protocole d'urgence Alpha 1, pas vrai? C'est pas la pire idée de la journée, cela dit. Vous commencez vraiment à me les briser, O'Neill. Je vois juste les choses en face. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible.
Mobius n'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien. S'il n'avait pas fabriqué cet engin de l'enfer, il n'y aurait pas eu besoin de ces protocoles. Peut-être. Mais regardez ce qu'ils ont accompli. J'ai du mal à y croire. Ah. Toujours aussi fidèle après tout ça. Hein ? J'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, Mobius n'a pas l'air d'en avoir grand-chose à foutre de vous. Comment ça ? Ils vous ont envoyé ici, pas vrai ? Désolé, je voulais pas vous énerver. Tenez, j'en ai fabriqué d'autres. Pour le dérangement. Ah d'accord. So, je pense qu'on va arrêter là pour le moment. Je vais me refaire des cartouches pour demain. Du coup, j'ai réussi à finir l'événement vert. Ouais, c'est bon. Il me reste plus que l'événement orange à faire. Et demain, on fouillera le hangar, je pense. Je vais juste fabriquer des balles. On va s'en garder 3 comme d'hab. 12, 6. 6 balles de flingue. On va recharger ça. Voilà. Et le deuxième, shotgun. Ok. On va sauvegarder. Et puis, comme d'hab, je vais couper le live. Je vais le relancer avec un timer. J'irai fumer. Et puis, ça sera bon. Voilà, ok. Nickel. Je coupe le live et je relance. Et je le relance. On part sur du R6. A tout de suite, les gars. A toutes.